trois invités aujourd'hui à l'émission pour nous parler de trois grands dossiers qui concernaient fonctionnement la justice dans le pays d'Haïti, qui portaient à la fois espoir avec inquiétude. Nous avons un dossier Petro-Caribéa, nous avons un dossier arrestation ancien directeur général police dans Godson Aurelius, et puis avec et fonctionnement justice là qui paralysé dans zone dans Port-au-Prince là à cause incident qui est passé dans parquet à 9 octobre qui se passait là dans moment convocation dirigeant politique docteur Schiller Louis d'Or. Écoutez, gagné à la fois directeur police là dans l'ouest qui impliqué Berson Soljour que avocat a exigé non résolution il était faire l'assemblée générale il était prendre résolution ça demandé pour arrêter. Et puis l'autre policier qui était impliqué dans accrochage avec avocat qui était pas traité avocat yo demandé pour arrêter yo et yo demandé révocation commissaire gouvernement révocation bien et transfert mais de toute façon retirer notre tête paquet retirer notre tête paquet Octave Clamé d'Aveus nous connaît qui proclame tête ni manager dossier Petro-Caribe. Alors toi invité yo ancien bâtonnier Lord avocat Port-au-Prince maître Gervais Charles que tout le monde connaît. Gagné maître Jacques Le Temps, ancien bâtonnier Koto et qui était membre CSPJ 2013 jusqu'à 2015 et puis juge Wando Sévillier m'a quitté ce qui est association représente association professionnelle des magistrats. Justement où t'es parlé ce maintenant sur antenne nous concernant arrestation ancien DGPNH. Oui, effectivement, gagné juge Dionel Lemiran qui t'a fait part de et menace que la police voit, t'es gagné une machine, la plaque d'immatriculation officielle, qui t'es fait zone Bolakali, campé pendant un bon temps. Il recevait un pile appel tout, pour intimider lui, et il y a de l'autre monde dans le tribunal là, qui recevait des appels de ce genre, et il t'es gagné un monde qui a suivi les tout. Et le lendemain, dans la ville, c'est mort, et jusqu'à hier soir, et donc disons mardi soir, sorti aux environs de 2h, 3h du matin, le tire en pile cartouche et devant la Kaili. Donc c'est des manœuvres pour intimider lui. Alors nous-mêmes, nous t'ai dénoncé ça, parce que nous croyons que, quelle que soit la décision du juge d'apprendre, et même si on ne doit pas d'accord avec la décision, la loi dit qui ça pour faire, et comme recours, et ou pas gagner pour entrer dans des démarches qui pour viser à intimider magistrat. Donc, nous croyons que aujourd'hui, on n'est pas capable d'accepter de telles pratiques dans la société. Je vais parler d'identifier les gens qui ont intimidé lui. Il n'est pas arrivé à identifier. Parce qu'on dit quelqu'un sur la décision est prise. C'est comme si c'était un monde qui t'approche en CDG. Bon, bien entendu, et c'est des menaces qui viennent, mais tout de suite après, la décision le fin de prendre, et pour le mettre en détention préventive, et ancien directeur général de la police, non. Donc mais c'était un incident que... même, l'elle était pré-décision, il y a un policier qui a déchiré le mandat. Oui, d'après ça, le rapporté, il me dit qu'il y a un policier, dans le premier temps, qui a déchiré le mandat de dépôt. Et qui ça a fait avec le policier ça? Bon, pour gérer la situation, c'est que dans le moment, il n'y a pas de prendre mesure contre le policier. Et qui ça a fait doué fait? Jusqu'à présent, donc il y a une possibilité, si toutefois, magistrat a voulu, pour que yo capable de poursuivre les policiers. Parce que c'est un outrage lié à magistrat lorsque magistrat prend un mandat qui est en ordre de dépôt et pour déchirer lui. Là, c'est clair, la loi punit ça comme outrage à magistrat, vu que c'est dans le cadre de fonction magistrat. Donc, mais c'est un flagrant délit pour prendre décision ça ou bien c'est qu'à prendre. Mais lorsque il y a une infraction qui commet, c'est que même si c'est une flagrance, et si poursuite l'a pas faite au même moment, il cap toujours poursuivre. Maintenant, tout dépend de nature infraction, grand délai de prescription par rapport avec l'action publique. Mm-hmm. Donc, bien que tout au début, à cause des hauts états à l'empate là, mais même c'est même mes opinions bien sur question barreau de Port-au-Prince, qui peut-être sans que Mbappé allait rentrer dans une guerre, dans le cas avec barreau, on peut croire que, par exemple, si il y a une infraction qui commettre, et il est capable de préférence, si toutefois le commissaire du gouvernement n'a pas mis l'action publique en mouvement au même moment, la loi permet que vous fassiez citation directe, ou du moins si vous êtes capable de porter plainte devant le cabinet d'instruction, tout dépend de la lecture que vous gagnez, et la justice a fait travail. Parce que moi, moi déplorer que mon institution, comme ou des institutions prestigieuses, tant que Barroyo, obligé d'entrer dans la grève parce que
nous avons des membres qui sont victimes, et comme homme de loi ou bien femme de loi, donc si vous obligez de faire grève, alors que voie légale yo là, mais et l'autre monde qui dans la rue yo, même ça dit yo. N'a pas retourné tout à l'heure, n'a pas retourné tout à l'heure sur dossier ça. Tu es capable d'aller. Juste vidé. On était pour connait là sur dossier arrestation ancien directeur général police, on me connaît formule consacrée à nous pas rentrer dans le fond. Yeah. C'est ça? Exactement. Hein? Oui. On commence mais ça. Opinion que... sur arrestation ça. Est-ce que ce dossier ou bien qu'on est? Bon, et que bien qu'on est, c'est un coup, la plupart des gens c'est qu'on est. Et puis, pas qu'on question pour bien qu'on nous dossier, pour qu'on ait ça qui a passé en la forme. En la forme, et que juge d'instruction, hein, c'est un personnage qui a plus de moyens à sa disposition. Juge d'instruction, hein, décider incarcération, juge d'instruction qu'on décide incarcération moun pour toutes sortes de raisons. Pour mettre pression sur moun. Pour mettre la situation de faiblesse que l'on a pris les lacons. Donc, vous voyez que c'est pas seulement en Haïti que vous mettez un personnage important. Tant que ça a causé que vous mettez juge d'instruction, hein, li pa gen ou moun pou le bay, pou ki raison le fait ça. Et ça fait Napoléon te dit c'est l'autorité plus puissant qui gagne la République là? Et que c'est quoi que c'est Napoléon? C'est un fort blague parce que. Par ailleurs, il est plus puissant, c'est vraiment. Mais, véritablement, mais ça qui passe, c'est que li fait ça le décider et que le décap fait. Maintenant, côté Waptani, c'est que pression, est-ce que le bras le prend? Comment le bras le gérer? Ça, c'est l'autre question. Parce que c'est une décision personnelle, il prend. Mais décision personnelle, ça, il doit prendre de façon subjective ou bien objective? Ah, et que juge d'instruction, hein, pas poser tête aux questions, le prend décision, j'en le fais. Ça est effrayant, c'est de l'arbitraire. Ah oui, et que moi-même, véritablement, et c'est de l'arbitraire au fois que vous parlez de juge d'instruction. Moi-même, pas c'est. Donc, par exemple, qu'un indice, genre qu'on dit, ah, non. Vous l'autre lecture, mais on va prétendre. Vous parlez de juge d'instruction, hein. Moi-même, pas c'est que mon point de désaccord avec M. Charles. Mais le temps de juge d'instruction, tout. Non, non, non. Avocat, oui, oui. Non, pas que. Ah, pas quoi. Voilà. Non, mais moi, je pense que moi, j'ai un point de désaccord avec M. Charles sur question. D'abord, j'ai été placé quatre débats, c'est qu'il ne va pas entrer dans le fond. Hein. Mais moi, pour éléments, peu d'éléments d'information qui m'ont gagné, moi, entendez, et comment je la prendre décision, là, m'estime que c'est une décision qui est arbitraire, qui est légale, si ça a dit, c'est vrai. Parce que, ça a rapporté, dans la radio, qui m'entendait, avocat Patien, hein, je t'avais dit que le juge d'instruction était le monsieur en tant que témoin. Et que le Padjam n'a à aucun moment donné de l'instruction qu'il était un statut d'inculpé. Il y a une différence entre témoin, témoin assisté. Bon, témoin assisté, il doit transformer. En Haïti, il n'y a pas de témoin assisté. Moi, c'est que avocat qui dit ça, le monde qui dit ça dans la joie, son excès de langage. Moi, mais c'est témoin, tout court. Témoin assisté, il est là avec avocat. Ça, ouais, ça, c'est en France, ça existe. Mais nous voyons la vraie, la réforme bien dans la s'il passé, n'a bien. Mais juge, il doit transformer de témoin en accusé. C'est de ça m'a parlé là. C'est que le juge d'instruction, la loi pas bal pouvoir pour le transformer automatiquement si ça tue un témoin en inculpé. Par contre, j'ai une instruction, si l'IAP font une instruction préparatoire, littéralement, les un monde comme plaignant ou bien comme témoin, l'estime qu'au cours de l'instruction, monde ça gagne pour l'arrêt avec l'instruction qu'elle a menée. Donc, j'ai une instruction pour lui transformer statut monde ça en inculpé, ils ont acte de procédure que la loi, oui, bah, la loi obligée, il faut qu'il mande commissaire gouvernement pour le bal un réquisitoire supplétif parce que il y a ce qu'on appelle le principe de la séparation du droit de poursuivre et du droit d'informer. Le juge d'instruction, quand il instruit pour le compte du parquet qui a l'autorité de poursuite. Donc, c'est acte officiel ça, le réquisitoire d'informer, qui te saisit par rapport à un fait. Maintenant, si pendant fait, yo, que lui estime que pendant moun que lui attendait, il y a moun qui était témoin, qui susceptible
pour ta répondre à des bails directement d'infraction, faut que vous revoyez le dossier dans le paquet pour pas que ballon supplément d'information. Bien que le plus souvent, juge d'instruction en Haïti, ils abusent de pouvoir, ils transformer automatiquement statut témoin en inculpé, j'en ouvre, et samedi, il est dans la loi, dans le code d'instruction. Mais bah, qui différence qu'il y a entre Samet et Charles Tédia Sordia? Non, non, moi, je dis que juge d'instruction, pour le faire, faut qu'il y ait un requisitoire supplétif à parler dans le cas, ça, il dit le pas de gagner. Non, et oui, que... mais maître Charles dit que juge il fait salver. Non, non, il va pas faire salver. Il va pas faire salver. Il fait salver, mais en dehors de la loi. Parce que mais on même reconnaître que fait abus. Non, moi, pour moi-même, suivant Kassa, si ça me tend à c'est ça, le juge d'instruction a mal agi. Il aurait dû attendre le réquisitoire supplétif du parquet pour tenter de transformer le statut de la personne. Mais est-ce que le cas a une information qui fait que le peuple est obligé de réagir? La loi est même plus loin. Même lorsque le juge d'instruction, il y a un des indices qui dit que il y a matière pour l'arrêter, non? Dès lors que ce sont qui ont un domicile connu, il n'est pas obligé d'arrêter. Oui, mais selon avocat, mais est-ce qu'on peut avoir un facteur aggravant qui fait que il est obligé de prendre une décision ça rapidement? Parce que selon avocat, monsieur Aurelius, il dit que c'est avocat monsieur oui, avocat en CDGA, il dit que juge d'en dit que l'on bat pression. Là encore, c'est notre raison. C'est notre raison qui fait que moi-même, si c'était moi qui étais en place, avocat ou bien partie, demandé juge là pour le quitter dossier. Puis, le juge ne doit pas subir de pression. Dès lors qu'elle parlait de pression, ça veut dire que c'est un juge qui n'est pas indépendant encore. Mais ça n'est pas pression interne, non? C'est la pression externe. Oui, mais depuis qu'il y a pression, c'est qu'il n'est pas dans la condition que la loi réunit pour le mener aux instructions, de manière sereine. Bon. Donc, tout juge qui avoue à un parti qu'il y a pression la mener aux instructions, avec décision de l'Opanet. Oui, il doit déporter le dossier. Il déporter le dossier. Alors, moi, oui, mais on attend des juges d'instructions lui-même. Voilà. Ou j'ai une instruction qui en activité. Et premièrement, donc, pour M. Charles, m'a dit que le juge d'instruction est tenu par la loi, il n'est pas qu'à faire n'importe ça. Et d'ailleurs, pour mettre au monde, pour inculper au monde, il faut qu'on ait des indices contre lui. Ça fait dans un pays tant que la France, lorsque on n'a pas des indices qui sont assez clairs, en attendant que vous mettez mon nom en examen, vous avez ballon statut de témoin assisté, qui est différent d'un simple témoin. Donc, si vous n'avez pas des indices, vous n'avez pas qu'à inculper mon nom. Mais il y a un désaccord avec M. Le Temps. Quelle est l'interprétation qu'on fait du code d'instruction criminelle là? On peut reconnaître que son code qui gagne plus que 180, qui gagne environ 183 années. Et garantie judiciaire yo ou pas véritablement gagné yo dans le code d'instruction criminelle là. Faut souvent obligé référer nous avec des conventions que nous ratifions qui garantit droit ça yo. Donc, lors fait lecture du code d'instruction criminelle là, et au compte principe là, c'est que juge d'instruction a saisi in rem des faits, mais il n'est pas saisi pour une personne. En sorte que, si gagne pendant l'instruction, il y a de nouveaux faits, c'est le ça, juge d'instruction, pour demander un supplétif. Mais si c'est pour même faire, gagne un monde, ou bien des trois mondes qui étaient clairement indexés dans le dossier, dans le réquisitoire parquet, ou même pendant l'enquête, ils nous rendent compte que, soit monde ça, il n'y a pas aucune responsabilité, ou bien il y a des responsabilités, mais il y a de l'autre monde qui n'est pas visé par le réquisitoire et d'informer, qui dans le dossier, à ce moment-là, on n'a pas besoin, on n'a pas pour demander un supplétif. Au parlement des supplétifs, c'est ce qu'il y a de nouvelles infractions, de nouveaux faits. Mais pour ça concerner monde que éventuellement ou un dossier qui a une certaine implication, soit comme auteur ou bien comme complice, ou pas besoin de demander supplétif. Les quatre formés de témoins. Mais écoutez, mettez-le dans. Attendez, très bien. Nous, nos familles, romano-germanique. Nous sommes tenus par la loi. Donc maintenant, vous connaissez un problème avec qui sont avec vous. C'est qu'on juge dans le système noyant, c'est la loi qui boussole. Lors même que tu as un grand arrêt de la Cour de cassation, parce que y a un problème, nous avons les arrêts de la Cour de cassation, ça nous est les jurisprudentiaux, c'est quelques auteurs qui gagnent des codes, ils ont annoté, ils ont choisi arrêt, ils voulaient mettre là-dedans.
yo vle yo mette. Mais pas un service à la Cour de cassation qui est responsable de la publication des arrêts. Et les arrêts d'espèce, yo pas capable considérer yo comme jurisprudence. Ce sont des arrêts de principe que Cour l'a choisi, li dit c'est ça non bail comme jurisprudence. Mais ça va gagner en Haïti. Si vous regardez dans n'importe code dans code nous gagnons yo. Ou je nous gagne arrêt que auteur l'a mette, auteur a droit à dessin, li choisi mettre l'arrêt que le remet. Donc bon problème là, est-ce que d'un côté dans la loi, dans le code d'instruction criminelle là, yo interdit un juge qui a tant de monde en statut comme témoin et puis pour l'inculper lui au même moment? Non, il n'est pas interdit. Puisque il n'est pas interdit, il n'est pas violé aucun principe. Pas aucun principe il violé. D'accord. Non, non, non. Non, maintenant. Juste le meilleur enseignement de l'association, non? Ou dit le délo? Oui. Parce que, écoutez, question où je me souris avant de répondre, c'est parce que je défends Jules en soi. Non, mais je demande ça parce que tout à l'heure, je ne te demande pas si tu es membre d'association. Oui, c'est membre d'association. Hein. Donc, mais son principe lié, c'est que on met en défi n'importe quel que soit le monde qui a fait débat sur lui pour venir avec un texte. Dans le code d'instruction qui venait là, qui interdit ça. Bon, pour même les bien arrêter Godson Oedus. Dès que si toutefois juge là estimé que il y a des indices graves ou bien des indices pour le moment contre ancien directeur général là, il cap déclarer l'inculpé. Maintenant, manière sans de procéder. Requis du parquet. Non, sans requis droit du parquet. Ah. Dans la mesure où pas de nouveau fait. Faut nous comprendre. Mais pour qui pourquoi parler de arrestation supplétif? Faut gagner de nouveau. Juste Vivier, est-ce qu'on parle, vous supposez que il parle avant ou sur le dossier? Non, c'est interdit. Ne parlez même pas qu'à l'instruction. Est-ce qu'on doit parler? D'ailleurs, moi pas rentrer dans comme son collègue magistrat. Mais pas secret pour les pères. Non, et non non pour les pères, oui oui. L'instruction n'est pas secret seulement pour avocat qui a assisté monde qui est impliqué dans le dossier, monde qui est dans le dossier et puis juge d'instruction et probablement greffier qui l'a tout. Maintenant, sauf que moi demandé juge là, est-ce que ou t'es bien mesuré décision, hein? Est-ce que il dit oui décision bien fondée? Mais moi même mais parce que est-ce que juge pas connait des problèmes pour ou bon, est-ce que pas connait des problèmes pour dormir là pour prendre une décision ben, face à conscience ou pas connait faire quelle consultation? Non, entre magistrats, nous devons faire des consultations. Mais même quand parce qu'on peut prendre telle décision. Oui, oui. Même quand il y a des consultations, des échanges, sous compréhension. Mais on ne peut pas entrer dans le fond dossier. Pas rien droit. Non, nous sommes capables, entre magistrats, échanger et même rentrer dans le fond dossier. Mais nous devons garder ça entre nous. Et là encore, c'est des consultations par rapport avec décision qu'on peut prendre. Mais toujours est-il, magistrat pas doit quitter, même quand l'a échangé avec des collègues, pour son collègue qui dictait la décision. Parce que si son collègue qui dictait la décision, est-ce qu'il y a sur Internet ou bien sur WhatsApp? Il faudra éviter pour que et de discussion qu'on a fait autour d'un dossier, les pas gagner des informations. Depuis Julien a fait ça récusable. Ça me devait ajouter. Ça me devait ajouter. En pratique, un magistrat prend une décision comme ça. Ils sont gros décisions, ça. Qui voit de recours immédiat au gain? Bon, c'est on met levé. Au cadre de son requête. Mais Jean-Pierre-Louis m'a demandé de lever des coups pour client. C'est devant même magistrat encore. Oui, mais il va réagir. Peut-être après réagir lundi, il va réagir. Ou demander. Mais non, avant de réagir, il faut que livre le dossier à parquet. Ou demander des magistrats. Le gouvernement. Après, c'est à vous retourner le dossier à lui-même pour le décider. Rien ne dit que le commissaire est en bas ville. Non, c'est que moi-même, moi, parce que. On va demander ces magistrats pour les réévaluer, ça le fait déjà. C'est la loi. Bon, même Blédio, que ce n'est pas au niveau supérieur, parce que ça, c'est rétractation, Mandel. Et que on pas adressé au niveau d'appel qui pour casser ces décisions-là. Donc, c'est à ce point de vue-là. M'dou que magistrat et que ça le fait, hein, ou pas un grand recours effectif et immédiat contre lui. Moi, je m'en bats en cas d'espèce. Donc, li fin fait, et que, wap subil. Mais pour qui ça, c'est un seul monde qui a arrêté dans le dossier? Moi-même, ça me pensait. Et en fait, pour si je voulais ajouter pour magistrat, Wando, par rapport à la question Jean-Jules l'a saisi. Effectivement, le juge d'instruction, il a saisi. Mais, suivant l'information de temps de Cap Bay, qui vient rendre public sur le dossier, hein, ce qui veut dire que le juge n'a pas jamais entendu l'aide pour une décision, ça, c'est pas sous Féo qu'il détendait. Et monsieur, hein, c'est sous l'autre bagage. Ça, c'était un détail. C'est sous l'autre bagage. C'est ça, me détendait. Et oui, c'est ça, me détendait. Mais l'autre bagage, Abdou, c'est que moi, je pensais que le juge d'instruction, contrairement à sa
pratique judiciaire haïtienne voulait faire quoi? Il n'y a pas sans limite. Ses pouvoirs sont encadrés par la loi. On juge d'institution qui rend un mandat d'amener en dehors des cas prévus par la loi, donc au capable de faire un recours contre le mandat devant un juge du même tribunal. Et d'ailleurs. Pas devant un niveau supérieur? Non. Je veux pour preuve, moi-même, dès qu'il y a un client qui a défendu au cas, il te plaît en un dossier comme ça. Lui-même, parce qu'il y a deux façons de mettre l'action publique en mouvement. Soit par réquisitoire d'informer du parquet, soit par l'initiative de la partie victime. Mais le client n'a pas été partie victime, il saisit le cabinet d'instruction, le juge d'instruction a débuté l'instruction, et puis subitement, il décide de changer le statut. Le client qui a été gagné, il a un mandat d'amener contre lui, sous pression de l'autre partie. Maintenant, ça m'a géré Charles Tédian, moi j'ai fait une requête d'abord, moi j'ai pour faire retrait des décisions qui m'ont jugé arbitraire et illégal, il n'a pas fait, mais on fait un recours en application de l'article 7 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, qui parlait de menace d'arrestation, et puis il y a un juge de ce même tribunal qui a annulé le mandat carrément. L'annulé? L'annulé? L'annulé. Client n'a pas été en prison? Non, pas qu'il est en prison. Il n'a pas été empêché d'arrêter. Et ça, ce juge. Il aux formes de habeas corpus. Oui, les habeas corpus préventifs. Et le même juge, contre lequel. Mais qu'il n'a pas été en prison, c'est n'oublier qu'on est la convention internationale. Oui, parce qu'il a convention, donc il fait partie de la législation nationale. Et même juge ça, il était très énervé, il a appris que le mandat a annulé. Et je parle après, un peu de temps après, il y a une autre partie qui font recours comme ça devant, et lui-même tout, il a annulé. Donc, est-ce qu'on estime au fond jurisprudence? Oui, pour moi. Bon. C'est uniquement dans le cours de cassation qu'il y a jurisprudence. Et non, dossier comme ça, il y a plusieurs niveaux dans l'État même. Mais ce n'est pas seulement la police, non, les demandes sont faites. Il y a un ministère intérieur, il y a plusieurs monde qui concernaient. Il y a des gens qui commandaient à tout, il y a un intermédiaire. Pour que ça soit une seule arrestation, il y a deux arrestations aux États-Unis, dans le dossier, mais, et expéditeur, mais pour que ça soit une seule arrestation qui est dans le dossier Haïti. Bon, ça, je la mose carrément une question. Non, je vais répondre comme ça tout. Et que ce bail récent, c'est quand même. Donc, jusqu'on y a un cap bon sur l'arrestation. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une autre arrestation qui prévoit? M'ba konti prévoit et que m'ba la dossier. Mais ça pas voulu dire lui-même seulement que c'est une responsabilité. Non, et que c'est ça pas voulu dire que c'est sur l'arrestation. Mais ça rappelle moi un autre dossier dans le gouvernement, tête calée numéro 2. Dossier ancien ministre affaires sociales d'affaires qui quitte l'école. Yo. C'est un seul monde qui prend, alors que il y a un pile monde qui concerne dans la question qui tient. Non, est-ce que nous avons dit nous avons choqué peut-être un magistrat et mettre l'État. Très souvent, et que on dit que y a un avocat qui plaide la radio. Ah, ça est systématique. Pour que les avocats du pré-dossier envoient le tribunal, ils passent derrière. Donc, je vais dire nous, que c'est pour moi. C'est que liberté aux menacés, véritablement. Et au cas pour nous compte que très souvent, on compte devant un complot judiciaire. Dans son baril, l'autre coup, c'est l'opinion publique. L'opinion publique. Mais donc, ça, c'est façon moi-même. Parce que c'est avocat mieux. Avocat, c'est pour me veiller à respect droit. Wow. Donc, l'institution faillit à devoir, il ne reste que la voix de l'opinion. Alors, par rapport avec l'intervention, M. Jean-Michel, là, je ne pas voulu que auditeur, auditrice, capteur de l'émission, tu as pensé que c'est peut-être un vaste complot, ancien directeur général là. Non, non, pensez, mais ne va pas. Oui, justement. Je donc, suis je pense que faut nous bailler. Ah, mais il y a un pire qui commence à penser comme ça. Bon, il est capable toujours. Et parce que là, ouais, c'est lui-même seulement qui a arrêté. Capable il n'y a pas de comment faire, parce que c'est pas lui-même seulement qui était impliqué dans le dossier. Moi, c'est que le juge a arrêté n'importe quoi. Le problème, moi, il y a avec, c'est la façon.
C'est la façon, premièrement, moi, je pense que le délégué inquisitoire a informé du parquet, parce que, il dit, c'est pas son même fait, elle était dans. Et deuxièmement, au moins, qu'il y a un domicile qui est habitué à une côté, et est-ce qu'elle défait des confrontations avec elle, est-ce qu'il y a une instruction arrivée dans le niveau pour le défaire? Ça ne parle pas rentrer dans le fond. N'a pas admettre que, juge-là, ligue l'attitude, si c'est en matière criminelle, c'est article 77 code d'instruction criminelle, là, pour que, l'équité mon libre ou bien le mettre la détention. Et même, so, et au correctionnel, deux premiers alinéas ont dit, si mon nom a un domicile fixe, ou pas obligé de garder la détention. Et mais c'est si, le cas, c'est le cas. Non, troisième alinéa, en ou matière. Pas non, obligé. Non, m'a précisé, en matière correctionnelle. Mais quand il s'agit de crime, le texte il dit clairement que début c'est crime juge-là. D'abord, c'est mandat d'amener. Et ensuite, c'est contraire avec principio. Avec principe droit de l'homme. Il ne va pas dire notre ressource. Non, non. C'est contraire avec principe droit de l'homme. Parce qu'en matière criminelle, on dirait que la prison, ça devient la règle, soit basée sur le code d'instruction criminelle, là. Donc maintenant, est-ce que juge l'a bien procédé ou pas? Là, on va pas le commenter. Mais nous connaissons que son dossier automatiquement devient politique. Non, ça me souhaité ouais. Que. Étant donné personnage qui concernait. Bon, mais quand même, c'est à permettre de faire Julien Crédit. Et pas de continuer avec tout, dossier, non, institution armée qui fait la police. Et moi, un problème, rien, c'est là, que Julien a dit que la subversion. Non, ça, c'est avocat. C'est avocat. Mettre le dedans. C'est avocat qui dit, Julien dit. Mais sous tapte de non, moi pas la je ne suis pas capable de lui-même venir demander. Mais c'est une pression des États-Unis. Non, c'est le dire de l'avocat. Mais est-ce que le juge l'a dit tout bon vrai? Là, nous pas compter. Mais étant donné son ancien directeur de la police, pas trop longtemps d'ailleurs quitter la police, il dit que des affinités, il y a un peu de monde. Et ouais, la police, il y a sous arrestation. Non, ça se comprend. Ça se comprend. Donc, bon, mais de toute façon. Nous capables bien lecture non sous façon peut-être Julien Tad de procéder ou bien façon de procéder hein. Mais c'est le juge qui est en charge du dossier, donc il a pris la décision que pour lui-même l'estimer qui est convenable. Bon, c'est lui-même qui sera le juge. Bon, oui, parce que c'est lui-même qui est en charge du dossier et qui souverain appréciateur de faire. Bon, l'autre dossier qu'on y a on passait ou de commencer déjà et juge Saint-Vidier mouvement ça qui paralysait fonctionnement la justice là. En tout cas, dans la zone métropolitaine, non. Mais Dieu veut. Charles. Je me crois que je dois la parole. Parce que. Vous êtes avocat, Julien Ludov. Bon, je suis avocat. C'est barreau de Port-au-Prince. Ouais. Ancien bâtonnier du barreau de Port-au-Prince. Participant à la mesure qui prend yo. Et on voulait faire. Ou remarque à propos de ce dire. Et que c'est comme si on a dit que barreau de Port-au-Prince était capable de suivre telle voie et que légal. Ça, je ne suis pas d'accord avec elle. Parce que c'est l'appréciation que nous faisons nous-mêmes. Ce n'est pas nous-mêmes qui pour bailler commissaires et du gouvernement ou façon pour le sortir et que c'est l'on manquement que le fait. Mais histoire, là. Mais avec Schiller Louis d'Or, dans le bureau du commissaire, gain un membre du conseil de l'ordre qui rentrait côté commissaire là, il dit mais ça s'est passé. Commissaire là fait policier entrer, qu'un bel dans le bureau, tête en greffier en main grosse, avocat qui l'a dit que yo frappé le tout. Maintenant, ce sont des actes de flagrance. C'est à commissaire du gouvernement. C'est Wally de mettre l'action publique en mouvement. Ou pas faire, ou failli à devoir. Parce que ou une corporation en face. Et que gain des postes ou prend, poste n'en vient avec avantage li, li vient avec responsabilité li, qui cap des inconvénients pour vous. Donc, face à une situation de flagrance, c'est que vous n'avez pas l'autre choix. Que dîne, que vous n'avez pas contre ça qui est passé, c'est véritablement, qu'un point de vue des uns et des autres, là où vous commencez à insulter. Parce que nous sommes une institution qui dit, mais ça crivé, et après, tant que
commissaire a dit que au te bal soufflette, mais il y a une flagrance ou il n'y a pas de flagrance. Gon flagrance ou supposé agir, agit. Ça commissaire de doit faire immédiatement de doit arrêter des dehors. Arrêter des dehors, retenu des dehors. Mais c'est le des dehors. Oh oui. Que mais est-ce que des dehors étaient doués présents dans le tribunal? Écoutez, commissaire là pour aller shooter tête lise et pied tout. Commissaire l'a convoqué Schiller Louis d'Or sous ou possible déclaration pétro déchoucage. L'y convoqué et ce qui est un peu mal placé, l'y convoqué l'y parle en bureau l'abtenne. Lors il ne va pas jeûner? Ah non. Et que tout ceci aurait pu être évité s'il était en bureau l'abtenne. S'il est arrivé, l'y entré devant. Il n'était pas là. Commissaire gouvernement fait pour là? Et que c'est vous qui convoquez, vous supposez là. Maintenant, Schiller, c'est Louis d'Or, c'est normalement. Et que c'est en famille, monsieur Maché. Et qu'il y avait c'est beaucoup de membres de la famille qui étaient là. L'autre dit famille. Et que famille là-bas. Que famille là-bas, s'il y avait. Et que c'est plusieurs membres qui étaient là. Donc, il y aurait les DDO peut-être. Pour frayer chez même baronne. En tous les cas, c'est commissaire qui mène là, et que m'baoué pour qui ça et que l'ité mène là, parce que l'y rentre, c'est là, bureau, très pacifiquement, et s'il t'est là, parquet pas d'avaï. Et parquet pas d'avaï. Maintenant, Schiller, c'est Louis d'Or. C'est là où poser la question. Ça pétro c'est des choucages, livre dit, il dit que l'on a gagné comme c'est pétro caribéen, va déchouquer misère, alphabétisme, tout bail ça. Donc, maintenant, est-ce que commissaire tiré les DDO pour te arrêter Chilen, bah qu'on est? Ça DDO t'a fait là. Mais j'en parle là, maître Charles, vous voulez dire que commissaire lui-même qui est à la base de tout ça qui vient? Exactement. C'est le premier responsable. C'est le premier responsable et que c'est gain de plusieurs fautes qui convoquer ces Schiller. C'est d'abord pour question Mbaoué et pour qui raison il était convoqué. On dit pour déclaration incendiaire. Bon, incendiaire. Bien que le commissaire très sélectif parce que il y a une déclaration tant que l'autre qui pas attendre. On dépend de notre camp déclaration. Et que c'est là qui quand et puis il dit pour qui est-ce là travail. Il dit qu'il est l'âme du gouvernement. Ou bien le chien de garde du gouvernement, m'a connu. Ensuite, les patins bureau, c'est leur convoqué au monde. La politesse dit et que vous faites pour obtenir monde. Et que c'est pas monde qui pour obtenir. Donc, ça permet que gain ou affluence monde qui pas doué là. Donc, gain débordement. Gain débordement. Oui, mais quand même, gain sécurité paquet à tout. Parce que c'est pas seulement le commissaire qui l'a pour garantir oui, sécurité parquet. Que... Si il y a débordement, grand pile, vous ne pouvez pas faire travailler. Non, et que sécurité parquet, ta privé fait travail li, pour le commissaire là, entrer dans le bureau. Même par contre, pour qui ça relève ces DDO? Pour qui ça que DDO a vini? Pour qui ça que DDO a vini sur place? Vini sur place, c'est comme si... Si quelqu'un doit assurer que y a suffisamment de policiers qui doivent être. C'est comme si c'est au gouvernement... Contre des opposants, pas qu'on est. En tous les cas, bah, il a mal passé. Ouais. Et mal passé, hein, c'est que pour nous-mêmes, face à une situation de flagrance, c'est commissaire c'est du gouvernement qui doit prendre responsabilité. Et commissaire l'APC Dina fait citation directe. Nous connaît différence qui gagne entre au commissaire qui prend l'action publique en mouvement et le particulier qui prend l'action c'est public en mouvement. Particulier et que chancelier, c'est comme si ce commissaire l'a dit et que Ben Babal. Chancelier mince. Chancelier mince. Et que nous connaissons cette différence entre commissaire. Qui prend responsabilité, surtout en situation de flagrance, c'est comme si ce commissaire-là, qui a obligation en situation de flagrance, dit que pas de flagrance.
Et c'est comme s'il dit ça, oui. Mais, c'est comme s'il dit pas de flagrance. Mais question ça pour tout le monde. Mais nous, c'est un paquet que vous faites, c'est pas un seul cas. Je mettais bon, nous connaissons tout, il y a un greffier qui était la principale victime dans l'incident, lui-même, d'après toutes les informations, bon. Il réconcilié avec, il a réglé l'affaire, lui-même avec le directeur Benson Soljour, mais cependant, avocat lui-même n'est pas lagué. Mais tout, je mettais dossier, l'autre incident, avocat est dans la rue avec policier. Excusez-moi, sous question greffier, le barreau a fait notre lit. Bah, ou on te cite non greffier. La note que le d'avoir le fait, c'est soutien. C'est moi qui dis non. Nous pas maintenant moun que nous pas un droit de regard sur yo. C'est moi qui fais retirer non greffier. Et ça montre que nous t'aiguons raison. Parce que mieux vaut, c'est sous corporation après Globagay ou Kimbel, au niveau de la corporation. Au lieu de ratisser l'âge. Ah, au lieu de ratisser l'âge. Mais nous connaissons tout. En bas, son dossier politique. Comment expliquer que nous vivons ralliés? Parce que il y a une divergence qui a affiché plusieurs fois dans mes temps avocats, dans le barreau de Port-au-Prince, sur des dossiers politiques, sur des dossiers mettant de Michel, par exemple. Comment expliquer que nous vivons faire presque unanimité ça? Je vais le dire très simplement. Jeune avocat, là, la rue, c'est jeune avocat qui a monté, descendre, a cherché clients. À travail, c'est pour client, pral de juridiction en juridiction, et c'est yo qui en a fait avec la police constamment. Pour yo même, et ne yo gain peut-être une meilleure reconnaissance. Et ne yo pas vraiment victime de action, c'est la police. Pas gain et ne yo vraiment, et que vous attendez, que yo batte et que c'est la commissariat. Donc, Monsieur dit que ce qui est très important, il dit il y a eu crise Francisco Seruenea et que nous t'émettez sous crise Francisco Seruenea un point. Fait Francisco Seruenea aller, mais nous pas régler quoi que soit d'autre après Francisco Seruenea. Donc là, nous dit que il y a des problèmes de justice que nous devons régler en même temps. Messieurs que vous êtes battu et que ça nous inclut là-dedans, donc nous inclut tout problème que nous avons supporté. Nous sommes problème générationnel. Sous problème générationnel que nous rejoignons jeunes barouans, c'est là-dedans. Nous rejoignons jeunes barouans, nous comprenons problème yo, et c'est eux-mêmes qui majorité, c'est eux-mêmes qui votent au courant de l'Assemblée générale. C'est dit, mais ça nous voulait, est-ce que hiérarchie a pas appuyé? L'encas ça nous pas, pour qui raison pour ne pas appuyer? Mais est-ce que c'est non impatient entre eux? Bon, moi, ça me pense que, ça, lecture qui me fait des situations, c'est que, pas de gain nécessité pour nous dériver là, si le commissaire gouvernement était en meilleure compréhension de sa fonction de poursuite. Parce que un politicien qui a parlé, maintenant qui ça savoir la main, des mots mal convoqués n'est pas un paquet. Or, le commissaire gouvernement, c'est par convocation en vêtu en voilà. N'est rien de voir pour le parler, pour le dissalver. Et c'est ça qui conduit. Non, ça, c'est le dossier politique gouvernement, là, vous savez. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nécessité. C'est son adversaire politique. Pas de nécessité du tout. Absolument pas. Pour le commissaire gouvernement, tu fais convocation ça. Et qui pral nécessité un déplacement et sans intérêt du DDO de l'Ouest, qui ça, directeur départemental de la fait dans le paquet. Moi, c'est ça, me reprocher dans ma raison. En tant que commandant, on va prêter, on va passer des instructions et puis l'autre, on aller. Et le directeur départemental, moi, c'est quelqu'un que je connais, et de tempérament, c'est pas un monde qui est violent. Mais le fait qu'il fait, là, il fait déplacement en bas, et puis il prend un dérapage là, un dérapage fait. Il dit pas violent, mais il dit les motifs. Ah, peut-être, ouais. Parce que pour moi-même, et puis son équipe bien formée, tout, qui fait la police en France, qui était même sur bon endroit, etc. Moi, étonné, les samedis dans la prison. Il est au Chili, tout. Oui, les samedis dans la prison cabaret. Les maps de stand avec l'équipe avocat, ils disent, mais ça passe dans le parquet de deux là. Moi, bah, j'aime quoi, c'est vrai. C'est dans la soirée, les informations agitées, et puis moi, je viens. On est c'est vrai le délai, parce que qui raison que tu as justifié présence dans le paquet là? Maintenant.
Mais qui ça a passé? Maintenant, moi, c'est Gouba qui arrivait, c'était avec le fille. Avocat, lui touchait physiquement. Même pas c'est six commissaires gouvernement. T'es un plus leadership. Voilà, il t'a pris un traité, il va t'arriver là. Il va s'amener ça. Moi, je pense que tu as une solution. Il y a une solution dans le parquet pour ne pas arriver là. Mais les protecteurs citoyens, ça paraît une note qui montre préoccupation parce qu'il dit que la justice est bloquée comme ça. C'est le monde qui fait maintenant prison. C'est détention préventive prolongée. Ah, hein? Ça ne va pas arriver même. Pas trouver une note là, non. Maintenant, même la note du barreau de prison. Mais c'est le droit de monde qui a violé. L'ensemble des barreaux sont solidaires avec le barreau de Port-au-Prince. Cependant, moi, pensais que si je suis là, je conseille Nayo pour me tomber molle. Parce que pendant qu'il y a fait revendication, ça qui paraît juste, mais pas gagné une cellule d'urgence. Et je me songeais dans la crise Francisco, nous battons aussi radical, ça veut dire qu'il tombe molle, qui pour permettre que. Si il y a des gens qui ont arrêté en voiture, voilà, si il y a des urgences. Ils ont fenêtre. Bon, exactement. Mais là, il n'y a pas de fenêtre qui est ouverte. C'est fenêtre, ça n'a pas ouvert. Mais si le gouvernement a réussi à gérer le dossier, si il y a des vagues, il n'est pas occupé, il est toujours qu'il y a un CNAM. Et puis si que la police n'est pas arrêté, directeur, policier et puis l'autre policier. Non, ce point, ça, Thomas Djoumagaï, c'est que bon, le barreau, ils font note que l'idée d'arrestation. Mais comme l'a dit le magistrat, on n'est plus dans les délais de flagrant délit. Donc ça veut dire, pour moi-même, moi pensais que c'est poursuite pour demander la place d'arrestation. Alors, ce n'est pas moi-même, ça veut dire que le commissaire gouvernement Kounia, il n'est pas qu'à arrêter les deux encore, il n'est pas qu'à arrêter les policiers. Il est capable seulement. Mais qui s'en veut faire révoquer le commissaire gouvernement est transféré. Il est capable de mettre l'action publique en mouvement. En général, en Haïti, nous confondons la mise en mouvement de l'action publique avec la privation de liberté individuelle. La mise en mouvement de l'action publique. La mise en mouvement de l'action publique. Ne veut pas dire automatiquement mettez au monde en prison, c'est pas ça. Vous voulez dire qu'il y a un peu d'émotion dans la décision qu'il prend? Bon, vous connaissez, pression, j'ai un avocat, j'ai un méchal dit, si vous portez bagaille là, ça veut dire que le conseil de l'ordre n'avait pas d'autre choix. Moi, j'ai une approche que peut-être un peu de monde, même j'avais mon pape dit bien fort. Je pense que il y a des problèmes de droit, les opposés, c'est la justice qui vous résout. Moi, je peux révoquer le commissaire, même pas défendre le commissaire du gouvernement. Il y a une façon d'agir et la société a une lecture de ça. Et comme magistrature, il y a une façon de comprendre les gens, le commissaire, le prince, l'a agi qu'on y a. Loin de là, je peux défendre. Mais, si il y a un problème, je demande révocation au commissaire, je demande peut-être arrestation ou bien révocation aux policiers qui impliquaient. Li pap résout problème de justice jodiyan qui gagne. La réalité c'est que il y a des monde qui frappé et si effectivement li démontre que frappé c'est que la loi violée. Commissaire gouvernement le bagage la fait passer hein, li capable mettre action publique en mouvement. Mais après normalement 24 heures donc li pas capable encore parce que li pas dans délai de flagrance. Bon, après, mais je dis là ça pas une flagrance continue en Haïti. Mais Charles, c'est pas maintenant terminé. C'est pas maintenant terminé. Parce que là on en pile sur ça, c'est pas maintenant terminé. Que vous venez employer ou dire que pas gain mettre action publique en mouvement. Non. Pas gain arrestation peut-être. Non. Je dis pas gain arrestation. Mais le cap mettre arrestation. Je dis pas gain arrestation maintenant. Parce que toute arrestation commissaire après le fait, il est illégal. Ah. Et on action l'habeas corpus, ça permet à ce que vous relâchez mon lieu. Maintenant, face avec une résistance ou du moins un refus pour que le commissaire du gouvernement a mis l'action publique en mouvement, victime, yo, yo capable de décider, yo et fait ça la loi mandé, en citation directe par exemple. Maintenant, et approche M. Charles comme quoi laisser commissaire gouvernement gagner plus poids, laisser victime gagner moins poids. Non, problème n'a pas posé là parce que quel que soit monde qui initie action, toujours est-il c'est le juge qui va apprécier et face avec pertinence faire, face avec preuve juge gagner pour devoir pour que le condamné. Et si toutefois, il n'est pas condamné, donc à ce moment-là monde qui pas satisfait de décision est capable de faire recours. Je pense que et de quoi on ça fait un pour ça c'est parce que c'est la profession d'avocat des hommes et des femmes de loi. Nous si démarche là même si l'aboutit avec une révocation commissaire même si on t'a déplacé ou bien révoqué pas qu'on est policier problème n'a pas résoudre. C'est qu'on a un cas d'impunité. Gon monde qui pas jeune justice.
nous résoudre le problème non pas en démarche politique, alors que nous sommes capables juridiquement de tracer un exemple, côté nous tiens que du point de vue disciplinaire, de sanctionner les policiers, inspection générale sanctionnelle, et judiciairement, de condamner et de condamner également pour le dédommager les victimes, dans la mesure où sa faute est démontrée par devant. Et une juridiction de jugement. Mais dans le milieu qui proche directeur policier dans l'Ouest, il dit que dans ça qui concerne l'avocat, ce n'est pas tout fait exprès. C'est comme si c'est un accident qui fait que le toucher, le monde qui peut se toucher, c'est surtout greffier. Nous pensons que c'était exprès. Moi, je pensais que dans l'Ouest, c'est un dérapage, un manque de gestion de l'espace et puis quoi bâtir. Maintenant, là où est greffier, les mêmes véritablement. Ne donnons pas notre opinion dans vos jugements. Ou pas là, ou pas contre ça qui passe. Ou pas contre ça qui passe. Mais maintenant, c'est ça me plaît. Clair, c'est là-dessus. Au commissaire, c'est du gouvernement qui quitte ou délai de fréquence passée. Ben, il en fait devant, pas gain rien qui empêche le mettre l'action publique en mouvement. Ça, non, que le mettre l'action publique en mouvement, c'est pas nous-mêmes qui avons facilité tâche. Mais il faut que nous soulignions notre ça que protecteur citoyen, maître dans Edouvé, Jean-Claude Diac exprimé inquiétude dit sur le fait que tout dossier bloqué au niveau de la justice, il n'y a pas qu'à avoir personne qui est en prison devant la justice, il regrette et ça passe là, il demandait rapide et de façon rapide pour trouver une solution. Et que maître dans monsieur Edouville, nos confrères qui viennent atteindre ces positions ça que m'abdil que c'est pas la situation ça seulement que gain ou détention c'est préventive et inacceptable donc c'est pas là et que c'est pour le dire c'est comme si c'est faute non ça n'a fait là la gain au rapport et que bénéfique sous détention c'est préventive yo parce que y a connait très bien que faut gain ou amélioration au niveau de l'appréhension et de la dispensation de la justice ça c'est premier point hein. Mais quand même il y a des monde qui dans prison qui a souffert là qui des dossiers qui va passer devant absolument, la justice qui pas avocat absolument et que barreau a toujours barreau avocat, nous avons un système d'assistance et judiciaire. Nous pas un cellule d'urgence qu'on y est, mais tout ça qui a passé, faut que nous fassions très attention entre la démagogie et la réalité. Parce que si c'est pas démagogie. Ça, je te parle, vous le dites. Si c'est pas démagogie, côté. Est-ce que protecteur du citoyen, j'en m'adresse qu'à moun qui fait, au lieu de faire 4 mois de prison, le fait 5 ans en préventive, est-ce que j'en parle de dédommagement moun sa yo, mais des questions précises pour au protecteur c'est du citoyen. T'es adressé les noms de rester dans le vague, mais... dans... Mais à sa décharge, est-ce qu'il y a un an déjà? Vous pensez que vous devez adresser le problème? Il faut qu'il y ait adressé. Mais en entrée, qu'on est là, dans le dossier Petro-Caribé. Tout pour la prendre justice, est-ce que le système justice, nous autres parlons de l'ILA, en mesure pour le bas justice? Est-ce que nous croyons le dossier a bien enroulé dans la justice? Et que si t'es gain ou action, au niveau c'est de la justice qui t'est dessinée. Si la justice te prend leadership question, j'en t'ai supposé prendre, c'est pas la rue qui t'a demandé pour gain et le jour qui fête sous question Petro et Caribé. Et premier et choc au monde prend, c'est les oui, c'est revendication citoyenne qui fait. Donc d'abord, avant d'être un dossier juridique, Petro-Caribé, son dossier politique lié. Son dossier politique et
ça vient frapper, c'est que le la justice a essayé d'entrer là-dedans, à part de plainte que M. André Michel dit qu'il fait à droite à gauche, yo, et pas contre véritable sort, yo, mais l'autant des... Citoyen constitué dans la partie civile. Mais l'autant des juges à parler de Petro et Caribé, c'est comme si Petro Caribé, hein, c'est pas au bagaille qui est tellement important, c'est pour la justice. Juge. Et que la et que m'a parlé le au juge d'instruction a demandé dossier à droite, dossier à gauche, et que le commissaire c'est du gouvernement a convoqué Laurent Lamotte alors que dossier a déjà la main juge d'instruction. Donc manœuvre de diversion qu'au monde senti au niveau de la justice et au pas senti que justice là assez forte pour traiter question ça véritablement. Donc est-ce que quoi juge qui sous dossier ça la parlé de juge Ramosite Aximé d'ailleurs il fait qu'écrit CSPJ pour demander, pour faire joindre tout dossier, par exemple, deux rapports, commission enquête Sénat, TFR, deux commissions dans Sénat, et tout l'autre dossier qui gagne dans le dossier Petro-Caribé. Est-ce que vous pensez en mesure, et c'est lui-même chaque semaine-là, ça fait, il y a des 6 dans 60 personnes qui peuvent plaindre déjà, chaque semaine, il y a des 2. Est-ce qu'on peut arrêter dans ça, et qui l'a dans le dossier après, arriver dans le bout de l'année? Véritablement. Faut que nous yota convaincre moi que dossier arrivé l'on niveau juridique et que dossier dépassé déjà stade politique là. Et pourquoi dépassé? Pas pourquoi il dépassé parce que c'est stade politique là qui permet et pointer du doigt sur certaines personnes qu'à permettre la mort publique là exercée. Donc moi-même papa me déconne dit mon bagaille. Papa me déconne dit il te dit Gervais depuis la pose c'est politique entrée au côté justice là j'étais c'est pas fenêtre. Il dit voler par la fenêtre. Il voler par la fenêtre. Donc maintenant ça, c'est peut-être une bonne occasion pour magistrats conséquents yo, montrer que justice là capable d'accomplir certaines choses. Mais est-ce qu'un seul juge est capable de travailler sur le dossier ça, en tant que juge d'instruction? Alors, on ne va pas prendre le dossier en soi, mais tout gros dossier qui gagne. Est-ce qu'un seul juge est capable de travailler sur le dossier ça? Je dis à nous faire face avec nous gagnons un défi en face non. C'est que ça lié commission rogatoire d'ailleurs la loi en Haïti pas comme ça. Sauf s'il s'agit d'un témoin que ou t'as dû étendre et juge là par rapport avec côté témoin hier donc il pas en mesure de l'étendre le cabaye commission rogatoire. Pour l'autre juge étendre. Pour l'autre juge étendre. Mais il y a d'autres pratiques instaurées côté que y a bah la police interrogatoire et commission rogatoire pas qu'un ça dans législation non. En l'état actuel de la législation haïtienne, nous pas de question collégialité dans la question instruction. Donc, moins temps de réflexion ça, moins essayer de faire débat avec deux collègues. Et dans le tout gros dossier, maintenant, comment, parce que, attendez, nous gagnons en matière pénale, c'est le principe de la légalité. Nous pas qu'à on bagarre fait dans l'autre pays, que la loi la caille n'ont pas prévoilé pour nous faire. Et si c'est dans d'autres domaines comme civil, commercial, nous capables. Mais il dit dans le dossier crime qui était fait, qu'a fait là. Ma parole bon réflexe. Il y a trois juges qui étaient. Non, capable, il y a trois juges qui passaient sur le dossier. C'est-à-dire, à tour de rôle. Non, je ne parle pas de conjointement. Non, la loi pas. D'ailleurs, même qui pour l'un qui peut le poser. Sous les trois juges qui travaillent, parce qu'on n'a pas qu'à faire une collégialité. On n'a pas trois juges différents, on n'a pas tombé dans contrariété de décision. On n'a pas arrivé dans un moment côté que l'autre juge est obligé, il a même décisé, son seul juge qui
prendre une ordonnance sous lui parce qu'on pas gagner trois ordonnances différentes pour le même dossier. Donc je dis si on a avancé par rapport avec un dossier qui est important vu complexité et niveau technique demandé un seul juge qui doit pas travailler sous lui, c'est pour parlement hein, rapidement parce qu'on est exécutif là pour un projet de loi et en la matière et puis déposer au niveau du parlement, yo voter loi rapide. Là c'est une loi de procédure qui pas visé à aggraver ça éventuellement monde qui capable impliquer dans dossier hein? Et puis ça va permettre que ça fait mais avec le contexte loi express comme ça non non mais sinon tout débat qu'a fait sur collégialité yo pas ka kembe moi pense que dans un imbroglio politico judiciaire qui est entré là et issu les babou de même et même bon problème à divers niveaux dans Jean procès. Est-ce que procès a commencé? Ben attendez Michel dit procès a commencé. Non, moi m'a ka dit ça, m'a dit que gon procédure ouverte au niveau du cabinet d'instruction avec le dépôt de ces différentes plaintes adressées à la personne de l'instruction qui a la conduite de l'enquête. Maintenant, c'est vrai que on plaît en capable une initiative pour le fait que autorité au point des dispositions pour mettre son public en mouvement. Mais l'acte officiel qui va saisir le cabinet d'instruction, c'est le réquisitoire d'informer du parquet. Ça veut dire que le juge d'instruction qui recevra plainte sa ordre, il a pour obligation pour le transférer par ordonnance de soi communiqué à la personne du commissaire du gouvernement, qui lui-même, officiellement, parlement des juges d'instruction pour l'ouvrir enquête là avec le réquisitoire d'informer. Et en l'état actuel des choses, ma compte, si l'étape s'est franchie déjà. Donc, et qualité, mon qui peut te plaindre. Est-ce que le citoyen doit porter plainte ou bien? Moi-même, moi pense que, Sandabia, c'est la défaillance de l'État qui fait qu'on est là. Mm-hmm. La défaillance des institutions républicaines. Normalement, c'est la puissance publique à travers le commissaire du gouvernement qui t'a doué. C'est l'État. Pour l'initiative. C'est l'État qui doit poursuivre. Oui. Le monde qui vole l'argent. Voilà. Mener action ça. Mais comme l'État lui-même, lui, non, oui, t'as d'inertie. Non, il n'a confié là. Comment l'État va le poursuivre? Voilà, c'est ça tout. Et ce problème, ça me gagne tout. Parce que ce soit enquête qui mène par le Sénat, que ce soit monde qui n'a pas pouvoir, que ce soit monde qui dépasse, avec citoyen un autre, parce que tout le monde est concerné par vaste complot de corruption, ça, de détournement de fonds publics. Moi, plus que un dossier tant coupé au Caribé, si nous voulons attendre à une vraie décision de justice, à une vraie poursuite, à un vrai résultat, il faut qu'ils attendent la disparition de cet État et puis pour faire procès dans le cadre de justice transitionnelle. La disparition de quoi? Pas État, c'est la disparition de l'État, ça? Oui, exactement, pour qu'on l'autre système. Avec, avec d'autres institutions, avec d'autres autorités qui ne pas mêlées de près et de loin dans le dossier du tout. Mais nous faisons déjà deux procès. Et nous avons même dû venir avec une commission de justice et vérité. Consolidation avec le procès des timbres. Moi, je pensais que nous avons dû venir. Mais comment nous devons faire procès ça et puis qu'on est là, nous pas capable de faire procès? Non, parce qu'il y a trop de gens concernés par cette question qui sont encore en position. C'est ça, oui. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, moi-même, je pensais que le tape plus bon, nous mettons en place une commission de justice et vérité qui ne. Qui gagne des experts, des gens de la société civile et d'autres personnes. Démarche pour les ministres. Exactement. Pour les ministres de la maison en commission. Oui? Parce que, bon, pas peut-être dans la forme pour les ministres de l'an, mais ou font dépassement de soi, ou éviter amalgame, ou éviter que les gens qui concernent et qui viennent dans la gala, là encore, qui apprennent des positions là-dedans, et ou venir avec un bagage. Nouveau. Mais ça doit faire, on doit faire, mais on doit faire. On fait pas juste là, on machine blindée. On fait le procès du passé. Ouais, moi, ça encore, c'est. On fait pas juste la machine blindée. Ça encore, moi-même, c'est. Avec l'agence sécurité. Moi-même, ça, j'en ai pas, ça, moi-même, j'ai un problème avec eux. Pour moi-même, pas un dossier plus important que l'autre. Avec comme si le fait que n'ait pas pris ton dossier X ou obligé de déployer un ensemble de moyens pour lui. Alors que l'autre juge qui a pris l'autre dossier, le baguette, là, même ça pose des problèmes. Et m'a demandé est-ce que ça n'a pas entamé même l'indépendance du magistrat qui traite les dossiers. Alors, problème qui pose, c'est que quand c'est un acteur, par exemple, tel qu'un pouvoir politique qui baille des moyens en juge, ça, il est capable d'entacher l'indépendance du juge-là.
Mais pour ça concerner, je dis en CACSPJ pour arriver au pour commander moyen pour ça. Qui est-ce qui va imaginer ça? Mais n'a pas reconnaître que tout dépend de complexité un dossier que j'ai traité. Par exemple, des pays soit travaillent sous crime financier, lui obligé pour une protection spéciale. Mais est-ce qu'il y a une spécialiste? Non, parce qu'il y a une unité déjà existé pour ça. Oui, mais est-ce qu'il y a une spécialiste? Il y a un magistrat spécialisé pour crime financier. Non, pas un magistrat qui est spécialisé, mais par contre, nous avons des policiers spécialisés non plus. Nous avons des magistrats qui ont formation en matière de crime financier. Donc c'est eux-mêmes qui ont supposé ça plus en évidence là. Dans le CPJ, il y a une brigade pour ça même, qui traitait des infractions économiques et financières. Mais au niveau de la magistrature, à ma connaissance, il n'y a pas. Mais est-ce que vous avez vraiment... collaboré avec UCREF, avec ULCC? Oui, mais CNMP? C'est même bagaille. Ça, par exemple, on parle de UCREF, on parle de ULCC. Normalement, ces institutions ont été totalement indépendantes. Ils ont fait travail. Et ils ont été doués. Et au devant de la scène, faire une enquête complémentaire là, qui pour aboutir à déclenchement poursuite là au niveau du tribunal de l'ordre judiciaire. Donc nous devons une expérience institutionnelle. Exactement. Et je vous dis, pour moi, la Cour des comptes, il en est de même. Que c'est la Cour des comptes? Que c'est USCC? Que c'est UCREF? Pour moi, c'est CNMP, pas ça sur le marché. CNMP, c'est des institutions pour moi-même qui faillent à mission, qui fait que je vous dis, au risque abouti à une insurrection populaire qui pour permettre que vous forcez les gens à mettre la justice. C'est là où il y a quelques derniers mots dans le dossier. C'est que là où dit, c'est Sam Dabral dit, et que lorsque l'institution n'a pas de réponse, c'est là où il y a. C'est là où il y a. Bon, nous, là où il y a qui fait que il y a deux trois petits mouvements qui ont fait, bon, côté gouvernement, si pas de manifestation le 17 octobre, là, pas de gain du tout. Bon, est-ce que ce sont les bonnes réponses? Parce que c'est pas bonne, c'est réponse du tout. Non, c'est des réponses de panique. Et que c'est des réponses de panique et des réponses maladroites. Maintenant, m'attendez au premier ministre qui a fait aux commissions que sous question Petro-Caribé. La parole est. Est-ce qu'on a besoin de ça? Pas quoi. Donc, je crois que peuple a mené un côté pour n'aller. Donc, c'est deux. Mais c'est deux, je fais mon lago dans mes peuples. Oui, que nous voulons, que nous ne voulons pas. Parce que c'est bon bagaille. Et quoi, vous pouvez débattre qui vient, qu'on l'a gagné, qu'on a maintenant. Pas seulement. Hein? Pas seulement, le peuple en général. Okay. L'autre jour, là-bas, m'dit bâtonnier et que. Rôle ou leader, c'est pour mener. Il n'y a pas de choix. Je dis, mais il y a des moments, et tout ça, c'est l'ouverture, c'est reconnaître. Il y a des moments, la meilleure qualité, c'est de leader, c'est d'écouter sa base. Donc, mais est-ce qu'il y a des moments où tu es conduit au coin où tu es avec? Non, absolument pas, mais il faut que tu entendes côté où tu veux aller, et que tu n'as pas empêché que tu aies des débordements qui fait, mais il faut qu'on connaît tout que c'est qui ça a ouvré. Hier m'a parlé, ça c'est l'autre question tout à fait. Hier m'a parlé à un député, à un candidat à la députation, c'est des Anglais. Je dis que c'est plus gros ce problème les gars dans zone là, c'est que mon n'y a pas une latrine. Donc l'on parle de monde qui n'a pas de latrine, on parle de sous-humain. De monde qui n'a pas humain. Ouais, parce que dans tout pays. Hein? Dans tout pays. Donc, l'on parle de monde qui n'a pas de sous-humain, et puis tu as ou pas tol comme ça, qui t'es supposé. Non, ils ont mis en condition de sous-humain. Oui, ils ont mis. C'est des humains. Alors que pas tol, ça a été supposé. Et météo, c'est la véritable ces conditions humaines, mais, et puis ils disparaissent. Est-ce que c'est pour question qui garde ou directement? Ou qu'on est nous toujours fait être nous, dire qui prête tout ce qui est un devoir, et pour nous toujours pour de la vérité, de l'histoire, et 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards, et même 20 milliards, combien comme c'est hier, achetant, c'est un pile comme pour un pays de quoi Haïti. Ouais. Mais en même temps, nous ne pouvons pas mentir tout. Que comme ça, seulement, t'es qu'à arriver à développer le pays. Et t'es qu'à faire quelques investissements intéressants pour deux ou trois secteurs. Par exemple, il doit faire un réseau de tramway et de métro en surface
qui va changer et ça t'a un impact et puis faire université. Mais moi, j'ai tendance pour dire tout pareil, c'est un plan. Oui, ça. Mais c'est pas vrai tout. Est-ce que c'est pas opposition que situation ça permet? Regarde pile l'argent qui gaspille en Haïti. Non, oui, est-ce et que. Et dans le moment où on a parlé là, tu restes sacré, il y a pillé sans aucun contrôle, sans aucun levé camp. Mais tout le monde brèche son seul dossier. Liliane, l'on parle de Petro-Caribé, son terme, est-ce que c'est pas attaqué? Toute corruption en même temps. Toute mauvaise gouvernance là. Général. Oui. Donc c'est pas Petro-Caribé, c'est Petro-Caribé. Oui. Remise en cause générale. Et que sont remises en cause générale. Tout à fait d'accord. On croit que c'est comme ça pour nous. Oui. Et M. Gervais, formant de. Est-ce que vous avez une nouvelle Gersiane? Bon, Gersiane, très bien. Et Nicolas, tout? Que c'est Nicolas très bien, c'est frappé, c'est pas dessert. Parce que vous êtes un allié qui mourit là, pas oui, n'importe qui mourit, on a parlé de Charles Davout. Oui, exactement. Qui, c'était bon père, petite fille. Oui, et que c'était bon père, c'est petit. Gersiane, t'es marié avec Nicolas, petite. Nicolas, petit Charles Davout. Que quelques temps avant ce dessert, et que c'est au pas ensemble encore, mais à peine quelques mois, et c'est Gersiane qui réellement pleure, et vous le déannoncez. De ces Charles Aznavour. Mais ce monde nous a fréquenté, Aznavour? Oui, plusieurs fois, et que ces conversations, et que toujours garder en mémoire de moi-même avec Charles Aznavour, c'est où le c'est le jardin Caille et côté le mourir, hein, c'est dans le sud de la France. Et puis, il était voulu faire une surprise. Il vient avec un enregistrement de coupé cloué. Pour le dire que Jean le terrain mais adaptation c'est coupé cloué l'été fait c'est de musique li et tu te laisses aller. Oui, tu te laisses aller. Il dit mais que c'est coupé cloué était un poète c'est pour lui et me croit que coupé cloué c'est un artiste non qui Jean Béfontaine depuis longtemps. Oui, absolument. Aller en Amérique latine ou bien en Afrique et absolument qui a parlé de coupé cloué. Donc me croit que dans la constellation c'est des poètes, c'est coué et coupé cloué. Le leader aimait j'interprète. Ah oui, absolument. Mais on dit musique l'était pire aimé lui-même, c'est la bohème. Et ou même, qui musique l'était pire aimé? Moi-même, c'est Je me voyais, c'est déjà. Ah, je me voyais déjà. Hein? Ça, c'est autobiographique. Oui, c'est autobiographique. Mais que c'est bien dit et que une phrase et que Vinremé, c'est la dalle, c'est lorsqu'il se voit grand artiste. Oui. Il dit que alors que t'as galéré. C'est j'ouvrais calmement et que l'espoir ne provient. Oui, c'est une grande perte. Bon, me dévler, son façon encore pour nous retourner, pour nous saluer, grand artiste, ça, et qui c'était Charles Aznavour. On voit quelques générations qui étaient touchées. Oui, c'est ça. On voit singulière. Hein? Mm-hmm. Oui. On croit que c'est ça qui est extraordinaire, là, c'est que toutes les générations se rejoignent. Oui. Ce qui veut dire que les poètes sont éternels. Et il a dit tout féminin, c'était les Nations Unies. C'est ça que fait Gersiane de trouver oui, nos familles. Exactement, il y a des Arabes. Oui, tout marié à toutes les nationalités. Eh bien, merci d'être de participer dans l'émission ça, qui était possible grâce à l'appui Kétia Jean-Pierre Taylor, enregistrement Joseph Seton alias Jérémy, qui était gagné appui Tori Joseph, Tito, une proposition Moïse Liliane, une production Radio Kiskeya, monsieur de la magistrature, avocat, barreau de Port-au-Prince, ancien substitut. Eh bien, vous remerciez nous tous. Et c'était Média Ouvert Charles, c'est bâtonnier et que tout le monde connaît, hein, et de l'ordre avocat Port-au-Prince, et juge Sevillier, bon, qui t'a appris. On va prendre pour nous démasser votre clan, quoi, avec vous. Et puis, et maintenant, Jacques Le Temps, ancien bâtonnier, l'ordre avocat Port-au-Prince, et au Coteau. Malheureusement, nous avons ça dans notre tête, même pas de temps pour nous déposer nos questions, sous divers barreaux, ça y est. Son émergence sur Vignetou et Barreau Provincial. Avant, c'était Barreau Provincial seulement terrain. Non. Et que la profession, c'est d'avocat. C'est seule profession côté la décentralisation réelle. Depuis longtemps, sur décentralisation réelle. T'es gain Barreau Cap. Gain ou Barreau à chaque juridiction. Depuis combien de temps? Oh.
depuis longtemps et qu'il y avait mais plusieurs Koto pas gagné longtemps. Non, Koto pas gagné longtemps. Koto pas gagné longtemps. Tigouave. Tigouave, ça fait longtemps aussi. Oh oui. Et pas trop longtemps quand même. Oui. Ça fait longtemps. Dernier barouyo, c'est Koto, Miragouane. En tout cas, l'aime depuis Tigouave, pas de barouyo. C'est qu'à peut-être après, après 86. C'est à chaque fois qu'on crée un tribunal de première instance. Ouais. Non, t'es toujours un tribunal civil, Tigouave. Non, eh bien, t'es gombao. T'es gombao. T'es gombao. Ah bon, bah, connais. À chaque juridiction, c'est deux tribunaux. Ah, très bien. Et bien, combien de barreaux nous avons là? 18. 18. Pour chaque juridiction? Chaque juridiction. Merci pour toute précision, ça. Merci et à très bientôt. Et un mot, c'est que fédération, c'est des barreaux. Hein? Sauf fédération, c'est ou harmonisation consensuelle entre les barreaux. Il n'y a pas de hiérarchie entre la fédération et les barreaux. Ah. Et que ce bail est consensuel. Donc, ça montrait que nous, 40 ans, nous en avons. Bien sûr, il y a un gros avocat qui est avocat, par exemple, dans le dossier Petro-Caribe, il dit gros avocat, grand, non, il n'y a pas tant d'eux, comme parti civil, il n'y a pas tant d'eux à mobiliser beaucoup de peuple. Il dit dans la défense, il y a bien eux-mêmes. Et c'est pour qu'être ça. Et c'est pour qu'être ça. Et ça, quand dit la rue. Non, c'est pour qu'être ça que Liliane, faut que nous accueillions avec joie. Là, nous voyons que des jeunes avocats qui ont dit que nous prenons question. Et qui ont émergé avec dossier. OK. Merci et à très bientôt. À très bien. Merci. À bientôt. La palette.com